Il reste encore 3 points à marquer. Je trouve que c'est important pour Lyon qui est venu en nombre, qui reste demain sur Toulon pour faire la récupération. Il y a de nombreux joueurs, que, bah, hormis les blessés qui sont restés se soigner dans le Rhône, de nombreux joueurs sont présents. On peut voir d'ailleurs sur le bord du terrain, alors que bon, ce n'est pas un match amical. Ouais, voilà, alors qu'on s'échauffe, les esprits s'échauffent un petit peu sur la pelouse de Mayol. On a notamment un Mamouka Gorgodze qui donne pas sa part au chien, forcément. Et Chris Ashton qui est en train de parler à monsieur l'arbitre. Et qui est en train d'échanger là avec Frédéric Michalak qui est allé calmer tout le monde. On avait parlé lyonnais. Le groupe est pénétrant. Pour l'instant, la défense toulonnaise tient bon, ça n'avance pas. Et intervention de monsieur Ruiz qui va rendre le ballon au rouge et noir. C'est juste, les lyonnais n'ont pas réussi à avancer. Dans la bonne défense toulonnaise. Ah, ça s'échauffe encore. Hein. Alors j'ai même l'impression, Sébastien, d'avoir vu des coups partir. Et franchement, là on voit Fred Michalak qui parle à Levan Chilashava. Qui parle à Mamouka Gorgodze. Ouais, Fred Michalak qui parle à ses anciens coéquipiers. Et qui est en train d'essayer de oui. calmer tout le monde. Mais visiblement, Gorgodze et Chilashava sont plutôt énervés. Alors est-ce qu'il y a eu un mauvais geste que l'on n'a pas vu? Mais je suis en train de me dire attention parce que j'ai eu l'impression de voir des coups partir. Et sur les matchs de préparation, il y a des cartons rouges qui peuvent être mis. Et même sans les cartons rouges, il y a des joueurs qui peuvent être cités. Oui. Et qui peuvent être suspendus. On reçoit au club, et vous les recevez vous aussi en tant qu'organe de presse, les communiqués de la Ligue et les suspensions. Et ce serait bête de perdre des joueurs pour les premiers matchs de la saison sur un match de préparation. Et là, on a Mamouka Gorgodze qui quitte la pelouse en compagnie d'un Lyonnais. Et de Josh Beckwith, le deuxième ligne néo-zélandais.